Salut, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir les prochains tutos. C'est parti, on va commencer avec la partie numéro 1, ce qu'on entend vraiment beaucoup dans la chanson. Alors, on va avoir 4 petites positions. Première. Je vous détaille tout après. Deuxième. Troisième. Quatrième. Tout va s'afficher. La position numéro 1, on va prendre le doigt 1 en case 1 de la deuxième corde partant d'en haut. Puis on va jouer la corde juste en dessous, à vide, et poser le doigt 2, préalablement, hein, en case 2 de la quatrième corde partant d'en haut. Donc ça nous fait 1, 0 et 2. Ça fait donc, au niveau de la main droite, pouce, index, majeur, index. Si vous avez un médiateur, vous pouvez faire ba, ba, o, o. Ça marche aussi. Oui, ça fonctionne aussi sur une guitare acoustique. Donc, ça nous fait. Première note qu'on laisse sonner plus longtemps que les autres. Et on enchaîne. Ok, position numéro 2. C'est le doigt 3 qui va remplacer le doigt 1. Cette fois-ci, en case 3 de la deuxième corde partant d'en haut. Et on fait la même chose. Ok, si on enchaîne ces deux positions. Ok, on va descendre, on va jouer sur les trois avant-dernières cordes. Donc, la corde de Ré, Sol et Si. Et là, on va se positionner avec notre doigt 1. On va faire un petit barré. En 10 et 10 des deux avant-dernières cordes. Donc, ça fera 0, 10 et 10. Et là, on fait la même chose. Sauf qu'on descend, on n'est plus sur ces cordes-là, on est sur celles d'en dessous. Ce qui fera donc 0, 10, 10, 10. Et pour finir, une dernière position. Le doigt 1 sera en case 8 de la deuxième corde partant d'en bas. Et le doigt 2 en case 9 de la troisième corde partant d'en bas. Et on continue, on conserve notre 0. Ce qui nous fera donc 10. Et en 8 et 9. Et si on enchaîne tout ça lentement, ça nous donne ça. Ok pour cette partie, maintenant je vais vous montrer les accords plaqués plus une rythmique qu'on entend dans la chanson. Alors, les accords, ce sera un Si bémol. Vraiment, pour bien le jouer, il faudrait faire ça. Si vous avez du mal avec les barrés, on peut le faire comme ça. Donc les trois possibilités vont s'afficher. Ok, donc déjà pour commencer, on peut... faire sonner juste un coup vers le bas, suivi d'un Do majeur et deux Ré mineur. La rythmique qu'on peut mettre, ça va être ba, ba, o, ba, o, ba, o. Donc pour compter simplement 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on fait ça sur chaque accord au ralenti. Ba, ba, o, ba, o, ba, o, ba, ba, o, ba, o, ba, o, ba, ba, o, ba, o, ba, o, ba, ba, o, ba, o, ba, o. Bien sûr, vous pouvez baisser un peu le son de la guitare. Hein. La dernière partie. Ça sera une petite ligne sur une corde. Tout va jouer sur la troisième corde partant d'en bas, donc la corde de Sol. On aura 8 notes en 2, 8 notes en 5, 8 notes en 9, 4 notes en 9, partagées avec 4 notes en 5. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ce qui nous donne au ralenti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à travailler tout lentement, c'est franchement pas compliqué. Si vous voulez aller plus loin dans votre jeu de guitare, si vous voulez vraiment avoir des bonnes bases, n'hésitez pas à regarder mes cours, les liens sont aussi dans la description. Sur ce, je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous, à très bientôt.